Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le récap des news du mois de décembre dans le monde du Beyblade. Une fois de plus, aucune nouvelle du côté d'Hasbro depuis l'annonce de leur retour pour l'Occident, et même en général on n'a pas beaucoup de news pour ce mois-ci. Ok, est-ce que vous vous souvenez des doubles grips chinois non officiels qu'on avait eu sur Beyblade Burst? Eh bien une entreprise américaine du nom de Nosa 3D propose toute une série d'accessoires du même genre, toujours non officiels, imprimés en 3D pour Beyblade X. Sur ce personnel, j'ai acheté le grip pour deux lanceurs à ficelle qui me servira pour mes vidéos combo test à venir, les Toupies VX étant trop rapides pour les lancer les unes après les autres, sans fausser leur performance. Donc c'est parfait pour tester des combos en solo. Il y a plusieurs accessoires, il y a aussi des grips pour deux lanceurs à crémaillère, il y a aussi des longues, voire même très longues crémaillères qui ont été faites. Personnellement, pour ce que j'ai acheté, donc la double grip et lanceur à ficelle, j'en ai pour 30€ frais de port compris. Le site Beyblade Espace TV a sorti la VOSTFR de la série Bay Warriors Cyborg. Pour ceux qui ne connaissent pas, la génération Metal Fight a eu 4 saisons, Metal Fusion, Metal Master, Metal Fury et Dragon Steel, ainsi que 3 séries spin-off. Bay Wheels qui se déroule dans le même univers que Metal Fight, Bay Warriors Bay Raiders qui est la suite directe de Bay Wheels, et Bay Warriors Cyborg qui, si j'ai pas de bêtises, est une série à part, dont la version française est un Lost Media. Donc avoir ce titre peut être un bon moyen de découvrir la série, et c'est le seul moyen de façon de découvrir, même si les séries Bay Warriors n'attirent pas des masses pour l'instant. Côté Takara, on a une nouvelle édition spéciale, une L-Side 380 Flat qui représente les toupies de la Team Persona. Pour la date de sortie, je ne suis pas sûr à 100%, je sais que c'est une exclusivité de Korokoro, mais je ne sais pas exactement quand elle sortira. Peut-être de Korokoro de janvier, je ne suis pas sûr à 100%. Deux autres nouvelles toupies ont été révélées avec la couverture du chapitre 7, avec le reste de l'équipe du Blader de Phoenix Wing. On a une toupie à motif de licorne, probablement des équilibres. Et cette toupie licorne semble être le booster teasé pour sortir le 27 janvier. Et on a une autre toupie à motif de sphinx, probablement de type défense, qui devrait, si je dis pas de bêtises, sortir sous forme de random booster select en février, d'après la liste de leaks. Deux autres toupies ont été révélées sous la gamme de Crossover Project. Pour rappel, on a eu les top 10 de chaque génération des rééditions à venir, donc voie de popularité et tout ça. Et ici on a les prototypes de Drigger S, avec ce qui ressemble à 480 points, et Tripio avec ce qui ressemble à 360 Needle. Encore une fois, ce ne sont que des prototypes, surtout la Tripio, qui pose problème à Takara pour des raisons de performance et de sécurité. Sans grande surprise, c'est sa largeur et sa finesse qui posent problème. Donc, sa largeur, pour prendre l'X-Line, ça frotte sur le mur, donc on ne peut pas prendre l'X-Line. Et sa finesse, faut que ça soit assez solide pour encaisser les attaques de Extreme Dash. Donc, à voir comment gérer ça. On n'a pas de date de sortie pour ces deux-là, mais elles existent à son conception. En l'autre produit Takara, on a une nouvelle arène à 3 joueurs qui a été révélée sur les réseaux sociaux de Takara. Officiel. On ignore aussi la date de sortie, mais on sait que les sorties d'arène ont été modifiées, comme vous pouvez le voir sur votre écran. C'est sympa, même si je ne pense pas l'acheter, contrairement aux certains 3 genres de burst que j'avais acheté par le passé. Mais il me semble qu'il y a des vidéos qui se baladent sur internet de ce set de ma 3. Ça peut être sympa, bien qu'un peu dangereux, je trouve, parce que les toupies vont vraiment très vite. Mais voilà, donc un set de ma 3 pour Beyblade X qui arrivera à l'avenir. Et pour terminer en parlant de réseaux sociaux, on a eu droit à un nouveau scandale entre guillemets au sein de la communauté Beyblade, et j'ai l'impression que tout est sujet à tabasser la génération Beyblade X. On avait déjà eu des plaintes autour de l'anime qui réutilisait les assets de l'anime de Beyblade Burst, comme on a pu le revoir récemment avec l'avatar des Wyvern Gate dans l'épisode 11 de Beyblade X, qui a la même animation que White Wyvern, et pour l'épisode 1, il y a des assets de Beyblade Burst Evolution qui auraient été réutilisés pour un flashback ou une pseudo-intro de Lex Tower pour l'épisode 1 et 2. Maintenant, les plaintes se tournent autour de ce clip, autour de Multi. Alors, je vais pas vous montrer les images pour pas faire strike, mais dans la description. Mais c'est un clip vidéo, lyrique vidéo précisément, qui reprend l'ending Zoom Zoom, et qui n'a pas été réalisé par le studio qui s'occupe de l'animé, donc bien garder ça en tête, mais il a été réalisé à l'aide d'une intelligence artificielle, et en 2023, dès que ça parle d'IA, c'est toujours sujet à controverse, peu importe la communauté et le domaine. Et les fans de Beyblade sont plutôt divisés. Alors, il n'y a pas vraiment de vraie réponse à cette situation, hein. Chacun est libre d'avoir son avis. Mon avis est que, effectivement, les IA, je n'en suis pas forcément archi fan, mais toujours selon moi, tout dépend de comment ils sont utilisés et dans quel but. L'été dernier, on a eu un problème similaire avec la série Marvel Secret Invasion, avec un générique de début aussi réalisé à l'aide d'une IA, et le studio en charge de ce générique avait expliqué que l'utilisation d'une IA était là pour faire un parallèle avec les Skrulls, vu que les IA et les Skrulls ont pour point commun d'essayer de copier les actions des humains. Pour revenir sur le clip de Multi, ben oui, ça s'accède l'IA, surtout sur la fin, mais ça me dérange pas plus que ça, c'est juste un clip promotionnel sur Multi. Si ça avait été un épisode entier généré par IA, là oui, ça m'aurait dérangé. Mais si ça se limite juste à un clip, genre pas plus, je m'en branle. Je suis d'avis que les IA doivent seulement servir d'outils d'aide pour faciliter le travail des humains, sans pour autant faire leur boulot à leur place, surtout quand les humains en question galèrent à produire des épisodes, mais encore une fois, chacun son avis.
Ça va être à présent terminé, on se retrouve dans un peu moins de 2 semaines pour la chronique des épisodes de Descendants de Babel X. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et passez de bonnes fêtes de fin d'année.